Salut à toi qui souhaite devenir un bricoleur confirmé. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment réparer un câble sectionné ou abîmé comme celui-là. Pour faire cette réparation, tu auras besoin d'un couteau avec une lame, une pince coupante, une pince à dénuder, un fer à souder, de l'étain, de la gaine thermorétractable ou si tu n'en as pas, tu peux utiliser de la toile isolante. La première étape va être de couper le câble. Ensuite, il faudra dénuder les câbles. Attention à ne pas toucher la gaine des fils en dessous. Une fois la gaine du câble retirée, il faudra dénuder les fils. Dénuder sur 10 mm de longueur est suffisant. Avant de venir souder les fils ensemble, il va falloir les torsader et les étamer. Avant de réaliser tes soudures, n'oublie pas de faire passer les gaines thermo. Si tu as bien étamé tes fils avant de réaliser la soudure, il sera très facile de réaliser une soudure très propre. Pour rétracter les gaines thermo, tu peux utiliser un fun thermique ou si tu n'en as pas, un briquet fera amplement l'affaire. Pour finir cette réparation, il va falloir venir protéger ces trois fils. Donc tu peux utiliser soit de la gaine thermo, mais cette fois-ci je vais te le montrer avec de la toile isolante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, partage ton savoir, bricole safe, ciao!